Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale et vous l'attendez depuis très très longtemps vu que c'est mon vlog pour le bled. Donc là je vais aller au bled. Donc juste avant je vais aller à Marseille vu que j'y vais en voiture. Donc moi je vais conduire la voiture et mon père va conduire le camion. Là je vais vous montrer comment ça va se passer durant tout le trajet et je vais vous partager tous mes beaux clichés, tout ça. J'espère que cette vidéo va vous plaire et sans plus tarder on va y aller. الأفراح لقلب Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup là on s'est arrêté à la station service. Donc on va aller au McDo et à Paul pour prendre des cafés et de quoi manger. Donc là il est 21h. On est je crois en Bourgogne, je sais pas, un truc comme ça. En tout cas j'ai hâte, je vais vous montrer tout le trajet. Regardez la dégaine s'il vous plaît. J'ai pitié. Donc là on a fait une petite pause à la station service avec ma chérie. Il est 3h passé et on reprend la route. Voilà, je vais vous emmener avec moi. Bon, tout à l'heure j'ai pas trop filmé vu que j'étais en train de conduire, mais voilà, j'essaye de faire au maximum. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là on est dimanche 26 juillet, il est 11h, on vient de rentrer dans la chambre d'hôtel. Donc faut savoir qu'on est arrivé ici très très tôt le matin, genre vers 5h du matin. Donc vous ne pouvez pas avoir l'hôtel avant 11h, donc c'est chose faite. Donc on a un petit peu dormi dans la voiture mais c'était très très galère. Donc là on vient de rentrer à l'hôtel, on est à Marseille. On va se doucher un petit peu avec ma soeur et ensuite on va aller dormir. Yasmine. Voilà, donc c'est une chambre d'hôtel basique, hein. C'est un peu petit mais bon après on est que deux donc ça va, mes parents ils ont pris une chambre, mes oncles une chambre, mon frère une chambre, donc on a pris pas mal de chambres mais au moins il y a la clim parce que là il fait trop trop chaud, franchement Marseille il fait trop trop chaud, c'est un truc de fou. Regardez mon bébé. Donc là on va manger, on est parti au centre commercial, on va faire quelques courses et après voilà on va traîner un petit peu. J'espère que vous allez bien. Donc là on est le lundi 27 juillet, on va prendre notre bateau, il est je crois 9h, ouais il est 9h et donc bah on a fait la queue là vous savez pour aller au port et franchement c'est trop galère. On s'est levé hyper tôt pour sortir de l'hôtel et venir au port, donc voilà c'est un petit peu claqué mais franchement ça se passe super bien, il fait beau, on est grave prêt pour le bled. Voilà la voiture, hop, que je conduis. Franchement très très pratique et je kiffe.
les amours, on se retrouve maintenant. On va aller acheter les tickets pour manger ce soir au restaurant. Je suis avec ma petite soeur. Donc c'est un peu galère parce qu'il a fait grave du retard, il est toujours pas parti. Et là il est quelle heure? Il est 19h48. Alors qu'à la base il devait partir à 16h. Donc voilà, je pense que c'est une galère vu que là ça veut dire qu'il va rester 2 jours en mer. Donc ça va vraiment être compliqué. Mais bon, de toute façon ici ça se passe bien. Il y a des restos, il y a un cinéma, il y a des magasins, il y a plein de trucs. Franchement c'est tout un monde. Donc voilà, il n'y a pas de quoi se plaindre quoi. Bref, je vous emmène avec moi pour vous montrer un petit peu. Hello, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous explique un petit peu la situation. À la base, le bateau il devait partir à 16h et là il est 20h et il est toujours pas parti en fait. Il a fait un gros retard. Du coup, bah nous on s'est installé dans nos cabines comme je vous ai montré. Donc la cabine que j'ai prise c'est pour moi et ma soeur. Et à côté, bah il y a mes parents et mes frères. Et donc en fait. Jusqu'à maintenant il fait beau et tout, il fait bon. Le seul problème c'est qu'on est super fatigué et on a faim parce que le restaurant il a toujours pas ouvert et depuis ce matin on n'a rien mangé. En fait il faut que vous sachiez que dans le bateau il y a tout en fait. Il y a le restaurant, il y a des cafés, des bars, des magasins, un cinéma, il y a plein de trucs franchement. Donc parce qu'on va passer quand même 36 heures dans le bateau, donc c'est quand même beaucoup et il faut quand même qu'on se divertisse. Bon, j'ai trouvé la solution, c'est que j'ai téléchargé pas mal de films sur Netflix pour pouvoir regarder quand il n'y aura plus de réseau. Mais je vous avoue que 36 heures c'est quand même assez long, 36 heures sans réseau, sans rien du tout, voilà quoi, c'est limite limite. Thank you.
les amours, donc je viens tout juste d'arriver à Tataouine, je suis vraiment claquée. Donc la route elle a été hyper longue, on est sorti très tôt du bateau mais on est resté dans la douane. Donc voilà, ça a pris du temps et tout. Franchement je suis grave éclatée là, je vais directement dormir. Donc là demain, Inch'Allah, il y a la dame de ménage qui va venir pour ranger la maison parce qu'elle est dans un bordel pas possible. Mais sinon moi j'ai kiffé de vous tourner cette vidéo. En tout cas j'espère qu'elle vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça ferait plaisir et en plus ça me fait avancer. Et n'oubliez pas aussi de m'ajouter sur Insta, je vous le mets juste ici. Vous pouvez m'ajouter aussi sur Snap, mais bon, j'utilise pas trop Snap, mais vous pouvez quand même le faire, je réponds aux messages. Mais c'est vrai que je suis très très active sur Insta. En tout cas, comme je vous ai dit, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et en attendant une prochaine vidéo, je vais vous faire plein de vidéos ici au Bled. Je compte rester ici peut-être soit 2 semaines, soit 1 mois, ça dépend, parce qu'en fait, j'ai un voyage en Espagne le 20 août. Et si c'est annulé, vu que là avec le corona et tout, il se peut que ce soit annulé, je vais rester en Tunisie. Mais si c'est pas annulé, je vais aller en Espagne. Donc voilà, je vais essayer de vous faire des vlogs de temps en temps. Et aussi, bah, n'hésitez pas à me suivre. Comme je vous ai dit, sur Insta, je montre absolument tout à travers mes stories. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a ajouté de com. Et je vous fais de gros bisous et on se dit à la prochaine. Yüreğimde derman yok. Benim narim narim.